Faire de la randonnée en Arménie. C'est un tout petit pays, mais les paysages sont extrêmement variés. Donc, à toutes nos journées de randonnée, le décor était différent. Dans le bois, on a vu des rachkars, ces espèces de stèles où des croix sont sculptées. La croix dans l'église arménienne ne désigne pas la mort du Christ, mais bien sa nature divine, comme un arbre de vie. Selon les périodes, les rachkars sont un peu différents, mais ils sont toujours orientés vers l'est. Dans certains cimetières, on en trouve de très beaux, avec des croix toutes fleuries. Pendant une randonnée dans la vallée de Azad, on a croisé ce qu'on appelle des orgues de basalte. Des superbes formations rocheuses, tout à fait naturelles. C'est aussi non loin de là qu'on a découvert le temple païen de Garni. Ce temple reconstitué date du 1er siècle. Un autre de mes coups de cœur d'Arménie, le lac Sevan. C'est une gigantesque mer intérieure de 1360 km². C'est aussi, à 2000 mètres, le deuxième lac le plus en altitude au monde, après le lac Titicaca, au Pérou. Comme les Arméniens n'ont plus accès à la mer Noire, ils viennent souvent se baigner dans le lac Sevan. On arrive maintenant au caravansérail de Selim. Cet endroit est situé sur la route de la soie. Et c'est là que les caravanes s'arrêtaient pour une nuit. Les animaux étaient disposés dans les alcôves de chaque côté, tandis que les gens dormaient au milieu et au fond du bâtiment. Cet endroit-là me fait beaucoup penser au palais de Jabba the Hutt. Je termine cette vidéo en vous parlant du mont Ararat, qui est très important dans le cœur de tous les Arméniens. Et malheureusement, depuis 1921, il est sur le territoire turc. Les Arméniens peuvent quand même l'admirer, car la frontière turco-arménienne est située à quelques 30 km de la majestueuse montagne.